Non, il parlait du toit du sas en fait. Parce qu'on a Oui. fait un sas mais sans porte. Oui. T'as le plan là pour le faire? Ouais, j'ai le plan. Je fais les fondations. Ouais. Putain, c'est rond de la merde, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Parce que en plus, ils peuvent faire péter le. On est en train de renforcer leur truc. Parce qu'ils peuvent péter le bois qui est à côté et qui est derrière la porte. Tu vois? En fait, ça sert grave à rien. Parce que regarde ça, celui-là. Bah, il Non, suffit mais c'est quand même 250, c'est casse-couille, hein, c'est comme le toit du dessus. pour. Ouais. Non, non, c'est casse-couille, mec, hein. Pète ça à la main. Attends, faut faire un toit, c'est ça? Ouais. Du coup, je vais faire un sol. Merde. Ah non, c'est bon. Si, tu peux. Allez, renforce-moi ça, Les Marcel. petits casse-couilles. Voilà. C'est vraiment joli. Eh, dis que t'avais dans le cul d'avant-poste. Il est plus nul maintenant, votre avant-poste, il n'y a pas de porte. Bon, ça les stoppera pas, mais on s'en fout. Non, Ça mais bon. fait du bien. Ça dit qu'un avant-poste. Écoute, moi je suis content. Ça fait un peu de bien. Ce que je veux, c'est être content. Par contre, il nous faut de la ressource. Attends, on en a plus maintenant qu'on a renforcé leur avant-poste. Ça tombe un jour, on va essayer de rentrer chez eux, on devra détruire notre truc. Bon bah. Qu'est-ce qu'on fait là? On essaie de refaire une porte blindée? Ouais, mais il a déjà les ingrédients dans le four, donc faut juste attendre. Ah, Donc mais il faut. entre temps, Bah, il faut ah! du bois pour faire Attends, tu le. peux tuer Spore parce que j'ai pas assez... enfin j'ai pas la hache. Elle est cassée. Ouais. Et il faut du bois. Du bois pour le four en fait. Oui, C'est ça qu'il aussi. faut. Parce que sinon les ressources, ouais, elles sont à l'intérieur. Donc je vais péter des arbres pour avoir 1000 de bois. Ah, moi aussi. Et Je ouais. suis. C'est pas, ils sont pas ici, non? Non. C'est pas. Pourquoi il serait ici? Je sais pas. Non, non, peu de chance qu'il soit ici. T'as essayé de me prendre mon champ là? Ouais. Je t'ai mis foncer dessus. Faut qu'on fasse une pause pub. Ah oui, Ça fait déjà une la heure. pause. Du Bah coup, on va l'a donc fait. on récupère le bois. Du coup, on l'a fait maintenant. On va juste récupérer du bois. À tout de suite. À tout de suite. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va aller. De toute façon, ils ont déjà tout gâché. On ne peut plus être déçu.
chauffer la tambouille, quoi. Calmement. Et voilà. On a pris du bois. C'était bien, Jessica. Lourd. Ça vous plaît comme c'est. Ah, Jessica, c'est lourd ou pas? C'est lourd ou pas, là? Moi, ça me semble bien lourd. Bon, j'ai 254 de minerais. Bah écoute, je vais poser mon lit en haut, toi, je te conseille de faire de même. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai si, du si. Bois. Du bon bois. Du pourquoi petit je peux... bois. Des fois, j'ai pas le droit de poser mon lit où je veux. T'as pas le droit. Bah tiens, bah je vais le mettre derrière le mur. Non, c'est con. Non, en fait, on va le mettre au rez-de-chaussée. Pourquoi le lit, on l'a pas mis au rez-de-chaussée déjà, de la base? Voilà. Ici, sans près du mur, bois, c'est très bien. Sans de bois. Sans de bois. Sort de bourbe. Espèce de sang de bourbe. Harry, je suis un sang de bourbe. Pardon, j'ai éteint le four. Fais exprès. Tu feras attention avec le four à ne pas l'éteindre. Harry. Eh, hey, excuse-moi Terra. Est-ce ouais. qu'il restait du métal dedans? Dans les coffres. J'en ai. Ah non, j'avais tout pris par contre. Enfin, j'en sais rien. C'est j'ai pas eux qui l'ont pris par hasard. Parce que tu sais, ce serait non, possible. Non, 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 j'ai tout pris. Ils ont rien pris. Ils ont pris que leur fusil qui était dans le coffre. C'est ah. Merde. Ouais, parce que le mec. Parce que. Tu sais, ah, je commence à me poser des questions, tu vois. Je suis un peu à cran en ce moment. Mais Terra, si c'est pas toi. Oh mais... putain, il faut du métral de haute qualité. Dis-moi que t'en as dans ta poche. J'en ai 12 minerais. Non, mais déjà fait, fondu. Mais non. Ah bah vas-y, fonds-les-moi s'il te plaît que je fasse ma porte. Fonds-les-moi. Bah tu fais de la place. Facile à dire quand on est architecte, comme ça, et qu'on commande tout ce qu'on veut, ouais. Genre vas-y, fais-moi du minerai de haute qualité. Vas-y, moi, faut que je fasse un lit aussi. Tu te crois où? Tu crois tout seul? Tu te crois... Bah fais un lit, et ensuite tu feras ça. Fais un lit, mais tu te crois tout seul, hein, vraiment. Et regarde, tu vois, la preuve, on va pas dormir ensemble. Je vais dormir de mon côté, sans toi. Parce que tu m'emmerdes. Ah, je peux pas faire de sas, hein. T'en faut combien du minerai de haute qualité, là? 2 pour faire une porte. Porte blindée, 2. Comme et ça. Ensuite, digicode, c'est bon. Digicode, ce sera comme ça, ils pourront l'exploser, ce sera stylé. Ce sera trop stylé. Trop stylé le moment où ils ont explosé MDR, j'étais MDR. Ou alors, on peut faire un sas, mais tiens-toi bien. Vas-y, dis-moi. On va devoir rentrer accroupi. C'est plutôt stylé. Non, en fait, je sais pas si c'est stylé. J'en suis pas sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as en tête? Écoute, regarde, je vais te proposer un projet. Ouais, bah, ça a pas l'air ouf. Hein. Non, mais ça se trouve, ça marchera pas. S'ouvre la porte quand elle va s'ouvrir. Non, vas-y, ça marchera pas. Enfin, t'as pas confiance en toi. Bah, regarde, c'est bon, y a du minerai là, du minerai de haute qualité. Tu vois, genre là. Ça marche pas. Ça marche pas trop. Hein. Tu peux casser ça, s'il te plaît? Avec ton marteau? Attends. Bon, ça marche pas. Bon bah, je peux pas faire de sas, hein, de sécu. Il y aura pas de sas de sécu, et puis voilà. Pas de sas de sécu. Au pire, ça ce sera la maison temporaire avant de faire la grosse maison qu'on fait habituellement avec la cheminée et tout. C'est chiant, ces deux mecs qui parlent en jouant pendant une heure entre les bandes annonces de Jessica Jones. On rigole, on rigole, mais tu m'as fait mon... Oui, il est dans le four, là, prends-le. Sers-toi. Ah. Bah, tu fais regarder ton téléphone est collé juste à côté de tes enceintes. Ah ouais. Du coup, ça fait des interférences. Putain, mais les vraiment insupportable. Les smartphones, ça fait encore des interférences. Ouais, ouais, des interférences. Ah, c'est curieux, ça. Ouais, tu vois, j'aurais pas dit. Tu peux remettre le minerai. Ouais, ouais, je peux remettre le minerai. Déjà, tu m'as l'air un peu sûr de toi, je fais ce que je veux, déjà. Donc, Ça, n'oublie jamais, je suis un genre d'électron libre, mec. Moi, je suis un peu un électron libre, quoi. On a jamais réussi à me mettre dans une case, tu vois, genre. Je suis un peu. Mais dans une case. J'arrive pas à me fixer, quoi. Faut que je bouge tout le temps, faut que je bouge. Je tiens pas en place. C'est de la merde, ça. Ah. Eh, Sartek, le digicode pour bientôt. Ah, oui. Sartek. Sartek. Sartek.
conseil, faites le sas à l'intérieur. Ah, un sas interne. Ça, c'est une autre option, ça aussi. Ça c'est vrai fait, qu'on pourrait faire un sas interne. Belle idée, ça. Belle idée. Au desk. Est-ce que ça rentrerait? Ça pourrait. À considérer. Mais par contre, je me dis juste un truc. Ouais. Si le mec a un explosif, il s'en bat les couilles. Il a qu'à faire péter un mur d'à côté. Il s'en fout que ce soit une porte ou quoi. Ouais, après, contre les mecs qui n'ont pas d'explosif, ça reste plus sécurisé qu'une porte. Oui, bon bah écoute, alors on va faire un sas interne tu sais, alors. Il faut bien s'occuper, hein. Faut bien faire des trucs. Et bah non, aujourd'hui on va faire un sas. Alors, sas interne. Put. Put. Et. Put. Sas interne. Avec le poteau qui fait bien chier, comme ça qu'on se prend. Ah, c'est bien. C'est pas prévu. C'est bien stylé, Terra. J'adore. Ça a un beau rendu. Hey, j'adore trop ce que t'as fait. Et j'allume pas la lumière parce que sinon ils vont venir nous péter les couilles. Oui. C'est pour ça que c'est tout noir, je suis désolé mais. Putain, vous devez rien voir du tout. Tu sais, j'ai une torche, mais bon. Ah ouais, non, c'est mort, moi je veux pas qu'ils viennent me péter la gueule. Putain, tu peux renforcer ça, en le sas en pierre. Juste que tu passes de la pierre, ça me pose pas de problème. Ouais, je veux bien. Bah, j'en ai que 250, donc tu feras avec, tiens. C'est en dessous. Combien? 52. Oh, c'est pas beaucoup ça. Tu tapes 3 fois sur une grosse pierre, t'en as? Ouais, mais elles sont où les grosses pierres? Hein? Loin. Ah. Merde. Ah. Puis elle est où ta deuxième porte blindée, hein? Ah bah attends, ça ce sera pour plus tard. Ouais, ce sera pour plus tard, ouais. Déjà, qui sait qu'il y aura un digicode? Qui sait qu'il y aura un digicode? Agite-le moi sous mon nez comme ça. C'est pour qui le digicode? Attends, bouge pas dans 25 secondes. Eh, on prend quoi comme code? On prend celui que tu m'as donné tout à l'heure? Ouais, yes. Ta date de naissance. Allez. Merci à Maxime qui a donné 1€. Merci Maxime. Il pouvait passer par le toit, mais une fois dedans avec votre mur, il ne pouvait pas ressortir. Donc le toit sert à rien. Ce chat. Ok, tu parles le chat en fait. Voilà, Maxime vous déteste. Et il a bien raison. Merci à Wasabi qui a donné 1€. Merci Wasabi. Vous aussi, vous avez des jeux de mots avec Jessica? Oh, j'en ai lu dans le chat. Jessica K. Non, moi j'ai lu Jessica, tu connais l'enquête acide et ça m'a fait rire. Alors, je vais faire un écran noir que je vais pas oublier d'enlever pour taper le code. Et moi aussi après. Merci à Corentin qui a donné 15€. Merci Corentin. Pour vous donner du courage pour que vous puissiez avoir un petit chez vous pour regarder Jessica ensemble dans votre lit. Eh oui, mais ça c'est notre objectif, mais fais chier. Mais par contre, je tiens à m'excuser hein, qu'on peut mettre le digicode porte fermée. Connard. Tu l'as fait le code, c'est bon? Attends. Voilà. Okay. C'est fait. Je remets mon écran. Merde! J'ai tapé dedans. Connard! Tu sais combien ça vaut ce bousin? Tu connais pas les coups, toi, hein? Ah, et t'as quoi? T'as de quoi faire un deuxième four? T'as posé ton lit? T'as posé ton lit? Oui, t'as posé ton lit. Oui, j'ai t'as posé quoi faire un deuxième four? Putain, t'as des crises d'angoisse. Le ça lit, gratte. Le lit. Putain, je sais pas pourquoi ça gratte. Tu veux quoi, un deuxième four? Est-ce que c'est l'un de nos priorités? Bah, ça irait plus vite pour faire une porte blindée, tout avant, ça. Non, mais ils ont pris des trucs. Avant, il y avait du carburant, il y en a plus. Ah! Ils ont pris des trucs, ils ont juste pas pris les ressources. Attends, pourquoi ils ont pas pris les minerais fondus et tout? Genre, c'est con. C'est bien d'en avoir, ça, vas-y. Merde. Je vais utiliser les conseils qu'on m'a donnés. Il m'en faut combien des carburants? Merde, j'ai pas l'air. Ah, c'est de la graisse animale si tu fais, mais on voit rien. 50. Ah! Ouais, est-ce que ça se voit la lumière de dehors? Est-ce qu'on sait qu'il y a quelqu'un? Oh putain, oui, on sait qu'il y a quelqu'un. Non, en fait, je vais l'éteindre. J'ai pas envie qu'on nous voit. Tu veux de la graisse animale? Je t'en pose devant le four. Pour l'instant, ça va. Ah, d'accord. Non, je t'emmerde en fait. Ouais, bah. si t'as pas compris, c'est que je t'emmerde. Si t'as pas compris, je t'emmerde. Bon, regardez, je mets ça sur l'écran pour que vous voyez quelque chose. C'est pas très beau, mais au moins vous avez de la lumière, quelque chose. Parce que si je regarde là, vous avez plus rien. Du coup, voilà. Ah, je vais aller vers le four. Ça vous fait quelque chose à regarder. C'est beau. Oh. Ça, on pourrait aussi aller chercher des ressources. Comme ça fait de la lumière dans votre chambre. Quoi? La nuit, comme ça? Couille molle. Mais non, c'est pas couille molle, c'est juste qu'on va galérer comme des merdes.
Ah, par contre, on est bien en bois. Hein. Attends, tu vas voir quand je vais remplir les stacks de bois que j'ai. Merci à Baptiste qui a donné 5 euros. J'aime bien te couper la parole. Merci Baptiste, c'est incroyable. Ce live MDR PLS. PLS. AMDR PLS, PTDR. PLS MDR. Ouais, là, j'avoue, c'est la PLS. T'as assez pour un digicode là, non? Mais c'est fait, il est posé. Ah, pour en faire un autre? Ah, ouais, non, mais on va faire la porte avant, ouais. Ouais, bah oui, il faut peut-être. Eh, hey, gros nigo, on le pose où le digicode s'il y a pas de porte? La charrue avant les bœufs. Ah, faut qu'on apprenne à crafter des volets aussi. Tu vois tout ce bois, tu vois tout ce bois là? Et bah, quand on reviendra, il sera plus là. Yes! C'est ça qui est cool. Eh ben non, attends, tu sais quoi? Tu veux gagner du temps? Tu peux me construire s'il te plaît, tu vas dans construction. Non, dans attends. Si, dans construction. Et tu me construis des barricades en bois. Ça met trop de temps à être construit, mais c'est pratique quand des mecs viennent autour. Donc tu prends du bois. Pourquoi? T'es vraiment sûr que c'est... Ouais, bah dégage. Oh bah c'est bon. Tu vois là, j'en construis. Bon, 11. On s'en bat les couilles de toute façon. Ça met trop de temps à être construit, mais faut en poser autour de la maison et bien large. Pour que les mecs, tu vois, puissent pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire coller la maison. Parce que s'ils collent la maison, on peut pas leur tirer dessus au-dessus des fenêtres. Alors qu'on a l'avantage si on est en hauteur. Tu comprends ou pas? En fait, si on voit les pics par-dessus la fenêtre, c'est bon. Je vois que tu ne me suis plus. Non, je t'écoute pas tout le temps. Parce que si je devais t'écouter tout le temps, ça me prendrait beaucoup d'énergie et... Je préfère. J'ai pas besoin d'en dépenser en ce moment. Je préfère sélectionner, tu vois. Parce que sinon. Putain, je me sens absolument pas en sécurité avec cette porte blindée, avec... équipée d'un digicode. Ouais, c'est comme si elle était pas là. Rien, c'est comme si elle existait pas. Bordel. Cul, bite, fais chier. Chat de cul. Chiasse. Vous arrivez pas à retirer cette putain de flèche qui est collée dans le mur. Elle est enfoncée là-dedans, j'arrive pas à la retirer. Là-dedans, là, tu la vois pas? Non. Là, mais si tu te mets au bord, tu la vois pas? Bah non. Ah merde, c'est que par chez moi alors, c'est un bug. Chier. Non, je la vois pas. Elle est plantée, je peux pas la retirer. Plantée! Mais ils ont pas l'air de revenir, hein. Ouais, mais c'est bizarre, justement. Oui. Tu vois, c'est comme s'ils nous laissaient le temps de refaire les choses ouais. pour venir les détruire. Tu vois, moi, je serais eux si j'étais vraiment dégueulasse. Je ferais ça. Je ferais ça vraiment. Parce que là, on va avoir encore plus de déceptions. Et là, pour le coup, on partira vraiment. Ça. On reviendra plus ils jamais. Ils auront tout gagné. On reviendra plus jamais. Pourquoi... Hey, t'aurais pas, s'il te plaît, du cuir? Pourquoi pour je fais... Ouais. Pourquoi je faisais du carburant? Pour faire un autre four. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah j'ai plus envie de toute façon. Quoi? Non, j'ai plus envie. Il faut des fragments de métaux pour faire un froc. Ah putain, j'en ai même plus assez. Tu peux me redonner ta graisse animale? Désolé, j'ai cru que j'en avais pas besoin, mais en fait j'en ai besoin. Elle est dans le coffre, gros con. Ah l'enculé. On m'a insulté. Honnête. Ah ouais, t'en as deux, t'es vraiment super sympa, putain, ça m'aide beaucoup. Bah ouais, je t'ai demandé si t'en voulais. Ah ouais, non, mais je excellent. Je t'ai pas demandé ah ouais, combien non, t'en voulais. Ah non, mais excellent, Terra, j'ai pas dit que ça me servait pas. Hein. Ah, de la lumière, vous allez enfin voir quelque chose. Excellent. Yes. Moi je regarde du côté de nos voisins. Non, tout se passe bien, ils sont gentils. Ils me font coucou, hein, c'est sympa. Trop beau le sas. Ouais, il est mais beau. Putain, c'est pas renforcé ici. Bah. Tu peux au moins mettre un oui, coup mais... de marteau pour le mettre en bois. Bah oui, mais je t'ai dit que. Mais non, ça sert à rien, on va le passer en pierre après. Pardon, monsieur, ça sert à rien. Imagine que justement. Ah non, bah on a pas de porte, ça sert à rien du coup. Ça rien dit. Ouais, c'est toi qui sert à rien, ouais. Ouais, ben, hein. Ouais, parce que. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, putain, voilà. J'ai des trous de mémoire, c'est, dur, c'est hein, inquiétant. De savoir. Bon, j'ai une barricade en bois là, j'en fais quoi? Bah, tu vas dehors et tu la poses de manière logique avec le reste. Etc. La logique, c'est pas mon point fort. À quoi bon fermer la porte de toute façon? Ouais, de toute façon, elle sert à rien, elle est invisible. Genre là, je continue comme as. Ah, mais elle se place nulle part. Bien large, hein, bien large. S'il faut que tu baisses un peu ton écran. Ah ouais. Enfin, vraiment, n'hésite pas à. Faut pas que ça colle trop la maison, tu vois, genre. Comme ça? Ouais. Ouais, c'est ouais. C'est pas mal, hein. Pas mal. Le mec, il se vante un enfin, peu. Genre, me fais pas chier, quoi. C'est pas mal ce que j'ai fait, non? En gros. Pas. Ah, c'est dégueulasse! Regarde, ça passe à travers! Oh merde! C'est dégoûtant! C'est quoi qui fait ça? Bah, c'est les murs du sas. Je
comprends. Ah ouais, merde. C'est laid. C'est super laid. Bon, faut qu'on aille ressources. Ouais, non, j'ai pas envie. D'accord. Vas-y, sans moi. Salut. Ah, j'ai pas de plan, attends. Oh, j'ai un stack de bois de 1300. Comment j'ai fait? Ah bah, je l'ai annulé. Est-ce que ça veut dire que je suis un cheater ou pas? Bah, bien, bravo, Link. Oui, ça veut dire ça, je crois. Bon, alors, je voulais faire du... Putain, mais il me manque... Oh, deux carburants pour faire un deuxième four. Eh, t'as bien une solution pour moi, non? Mais il faut trouver, faut qu'on aille looter, là. Mais putain, on pourrait faire un deuxième four, et quand on reviendrait, ce serait fou, il y aurait déjà tout fait. Bah, qu'est-ce qu'il faut pour faire un deuxième four? Deux carburants. Oui, donc il faut de la graisse animale. Ouais. Bah voilà, donc faut qu'on aille tuer un animal. T'aurais pas ça sur toi? Mais putain, non. Bon, c'est bon, là, juste un peu de... Allez, mec, donne-en un peu, quoi. Je veux dire, fais preuve d'un peu de bonne volonté, quoi. Enfin, c'est pas grand-chose. Bon, bah, si tu veux pas, tant pis pour toi, t'es chiant. On aurait pu faire un deuxième four, augmenter la productivité, mais de ouf, quoi. Mais à cause de toi. Mais toi, comme tu penses qu'à toi. J'ai 2300 de... Dégage. De bois. Je crois que je sais comment on fait. Est-ce que je t'ai demandé du bois? Non mais t'emmerde. C'est quoi, j'ouvre la porte, tu vas te faire buter. Je t'ai pas demandé du bois, je t'ai demandé. Je laisse la porte ouverte, bonne chance, grosse merde. Eh, ça va, je rigole avec toi. Je rigole avec toi, il va rien se passer. Bon, on s'en va. Bah oui, faut qu'on aille aller des endroits qu'on a pas explorés. Pas la peine de le dire sur ce ton, hein. Par contre, faut pas que je te quitte parce que je sais toujours pas où est la maison. Ne me quitte pas. Bon, on va aller par là. Ouais, oh, là-bas, non. Ça a l'air d'être vraiment trop bien. Ne me quitte pas. Oui, j'ai cheaté. Bah ouais, j'avais un stack de 1300 de bois, c'est un peu étrange. Mais je crois que je sais comment on fait. Cheater, comment tu prends un truc qui est genre construction en bois, genre les barricades. T'en construis le plus que tu peux avec tous les stacks possibles de bois que tu peux. Et hop, tu annules tout. Ça va te stacker, je crois. Bah, c'est ça qui s'est passé parce que j'ai annulé les stacks de barricades. Enfin, non, j'ai annulé la construction. Enfin. Moi, je suis malin et du coup, je suis plus rapide. Je suis malin comme un petit singe parce que j'ai pas cheaté en fait. Ah, alors ça vous la coupe? On me fera pas dire cependant que les mecs qui avaient mis 10 000 de bois, ils avaient pas cheaté. Hein. Bah, surtout qu'il est rentré dans notre maison, le mec. Ouais. Ouais, mais là il avait peut-être du C4 parce que tu sais que maintenant je comprends un peu. Non, mais la porte était là. Elle était intacte. Peut-être qu'il l'a reconstruite derrière, c'est un petit filou. Et il a retapé le même code qu'il connaissait pas? Ouais. D'accord. Échec et mat. T'es où là? Mais je sais pas, je suis monté en une colline. Mais arrête de faire le caribou là. Attends, c'était. Ah. C'est quoi un caribou? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est pas les mouvetons ou les trucs comme ça, les bouquetins. Un cabri, un bouquetin. Non, pas cabri. Ouais, c'est quoi le truc qui monte les falaises sur le côté? Un petit cabri. Non, c'est pas cabri. Cabri, c'est fini. Bon, eh, du bois, on en a pas besoin. De la pierre qu'il faut. Attention, donc. Génial, cet endroit. Bien fait d'y passer. Va, hein. Oh là. Quoi? Des voisins. Ah oui, mais ils sont pas là. Oh, ça va, hein. Attends, on est revenu exactement même endroit que tout à l'heure, en fait. Ah bon? Oui, c'est exactement le même endroit que quand on sort de la maison et qu'on va à gauche. On va quitter à être passé par là, autant aller là-bas. Non. Bah, tu vas où? Où? On va où là? Là-bas. Voilà. Là-bas, ça veut rien dire. Dis-moi. Non, mais si tu regardes la direction dans laquelle je cours, tu sauras. Ouais. Là-bas. Ouais, tu vas là-bas, pourquoi? Parce qu'on n'y a pas été là-bas. Vas-y, convainc-moi, donne-moi des arguments. Parce qu'il y aura plein de pierres. Tu vois, t'as jamais d'arguments. Je ne t'en dis rien. Non. Ok. Ouais, j'ai décidé d'être de mauvaise foi, et alors? Ah! C'est radioactif, ça. Ouais, comme mais ça. Putain, ça peut-être fait plaisir. Peut-être pas. Non, c'est pas sûr. Peut-être pas. Est-ce que ça te pique la nouille? Bah attends, je suis pas encore là-bas. T'as des picotements sur ta nouille? Comment te sent ta nouille? Attention. Ah, ça a pas l'air de piquer, hein. Aïe. Non, ça a pas l'air de piquer. Y'a du loot à gauche, je l'ignore. Ouais, c'est ce que je fais. Pour aller le plus vite possible au hangar.
Ah ouais, bah t'aurais mieux fait de rester là. Enculé, y avait quoi? Bim. Ah ouais, mais moi j'ai hyper Bouteille soif et j'ai d'eau. hyper faim. Plastron en bois. Putain de merde, fais chier. Barricade en pierre. Mais bats les couilles! Non mais c'est bien, c'est bien. Ah, il trouve les trucs de ouf en plus. Oh, je trouve énorme. C'est vrai? Thompson. Oh putain, c'est bien ça. Ouais, mais elle est en très mauvais état, je crois. Ouais, elle est en ultra mauvais état. Oh bah moi j'ai trouvé une grande épée. Oh, super! En plus c'est pour apprendre à la fabriquer. Ah au fait, je t'avais pas dit. Je t'avais pas dit. Je sais à quoi sert la table de recherche. Par hasard. Ah ouais? Ouais, en fait, genre t'as des objets en trop, ou pas en trop, hein. Mais que tu sais pas crafter toi-même. Genre tu les as trouvés, bah comme là. Tu vois là par exemple je viens de trouver une seringue. Et ben tu la poses dessus et tu peux. T'as des chances de la casser, mais si tu la casses pas, et ben t'apprends à crafter l'objet que t'as posé sur ta table de recherche. Intéressant ça. Ça pourrait nous servir. Ouais. Là tu vois j'ai la seringue. Je pense qu'une seule c'est inutile, autant prendre le risque d'apprendre à la crafter. C'est que t'es pas trop con. Voilà. Oh regarde-moi ça! Regarde-moi Une ça! grenade! J'ai une grenade! On va pouvoir Mais péter c'est. les couilles à quelqu'un. Bon, je disais regarde-moi ça parce que c'était plus intéressant, mais Je sais pas, t'as trouvé quoi? Bah, je sais pas, genre 5 tonneaux. Ah, le connard! Et là, je sais pas ce que j'ai trouvé en plus. Pic en bois. Au sol. J'ai 80 morceaux de plomb. Ah ouais, non mais putain, d'accord. T'as farmé les morceaux de plomb, quoi. Pour moi. Enculé, j'ai rien à manger. C'est ma pomme, toi je la C'est croque. bon, j'ai à bouffer. Oh yes, j'ai appris à crafter des volets! Il est trop Ah content. non, merde! C'est juste pour. Merde! T'es bien trop content, quoi. J'ai trop le seum. Oh, j'ai appris à construire une petite.